Et coucou, alors j'ouvre ce vlog très tardivement. Pour être honnête, je pensais pas vlogger. J'ai mis du temps à faire du montage, vidéo, ce genre de choses. Et là, Eric m'a dit, bah, on va se promener, il faut qu'on aille nourrir le chat de ses enfants. Mais je savais pas, il m'a dit, on y va à pied. J'étais pas prête là. Bonjour. C'est marrant ça. C'est une perche. C'est une perche. Je sais plus ce que je disais. On va marcher et on va nourrir les chats. Le chat. Parce que ça fait quand même une trotte. Et en rentrant, parce que je suis pas certaine de le faire en marchant, je testerai la perche, hein, la nouvelle perche que j'ai eue. J'ai déjà un petit peu vu avec des tutos à la maison. Elle m'a l'air pas mal du tout. J'avais même pas vu en plus elle est panoramique, donc c'est parfait. Oui, je me suis trompée. J'ai dit panoramique, oh, elle est télescopique. Et toi, t'es quoi avec ton chapeau? Ridicule. Elle fait un beau comique, ouais. On s'est arrêté là pour la marche. Faire une petite photo. Côté un peu urbex, un peu glauque, on va dire. Je sais même pas ce que c'est, des garages, bref. Il a fait des photos, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que t'avais vu qu'il y avait un parc derrière? C'est super joli. Non mais tu parlais du boulodrome toi. Et bah, le parc il est super joli, j'ai l'impression. Tu veux essayer qu'il y en ait? Ben non, je viens de te dire. J'irai voir. Il est impressionnant ce mur. Pour ceux qui regardent la Servante écarlate, j'imagine des trucs pas cool. Si vous voyez ce que je veux dire. Je te suis de ma main. Regarde, papa est là. T'es con. Papa. Non, puis moi je suis rassurée, hein, un mec avec un chapeau comme ça. Oh. On vient d'arriver. On s'est fait une suie encore. Le petit chat il est pas là. Oui, je crois qu'il fait sa vie, hein. Il doit être dehors. Il va avoir de l'eau fraîche. Et les croquettes. On y va? C'est parti. C'est parti. C'est vraiment demain? Il fait chaud, mais c'est pas encore aujourd'hui. Hein. Non? Non. Enfin, dans le sud-ouest, oui. Ça remonte chez nous, tranquille. Okay. Là, ça tape. Ouais, ça tape. Donc, il faut rappeler aux gens qu'il faut éviter de marcher, hein, aux heures où le soleil est plus haut dans le ciel. Donc, entre midi et 4 heures. Évitez aussi de partir sans bouteille. Faut briller, se désaltérer. C'est pas drôle, putain. Et puis, recouvrir les parties qui sont au soleil de crème anti-solaire avec un indice très élevé. Voilà. Au moins 50. Ok. Donc, parmi ces trois choses, Caroline, peux-tu nous dire lesquelles tu as suivies? Aucune pour l'instant. C'est très bien. Mais j'ai mis ma casquette. C'est bien. Wow. Deux choses que j'ai envie de faire, boire et m'éponger. Et j'ai caché quelque chose derrière le livre que vous voyez où il y a écrit album. Non mais le gars il est persuadé qu'il y a quelqu'un. Attendez, je vais zoomer. N'importe quoi. Il est perturbé. C'est rien bébé, en fait c'est la pochette de ma nouvelle perche. Voilà, il en faut pas beaucoup hein. Ben oui, t'as vu, c'était rien de bien important. Tu peux retourner te coucher. Alors, je vous reprends. Beaucoup, beaucoup plus tard, je me suis changée. J'avais tellement transpiré. Je suis en train de tester la perche, c'est pour ça que ça part un peu comme ça. Hop, non, non, hop. Voilà, je crois qu'il y a des... Si j'appuie une fois... Ah non, pardon. Deux fois, ça fait quoi? Je suis toujours là, hein. Il veut pas m'écouter. Mais alors, bon, on va le faire manuellement. Bonjour. J'ai eu des bugs avec ma vidéo. Pff, grosse galère. Mais bon, je pense que c'est bon. Ça a été remis. Et avec Eric, on était complètement HS. Là, j'ai fait un sacré break, le temps de me changer, de faire quelques petits trucs, de rectifier des trucs un peu perso aussi. Et eh bien me voilà avec cette perche. Normalement, alors il peut y avoir le mode qui va me suivre tout le temps. Normalement là il l'est.
il est mis. Voilà. Si je, il va vraiment m'accompagner. Ou je peux faire un mode fixe. Décider que ça ne bougera jamais sera comme ça. Moi, ce que je veux, là, par exemple, c'est retourner complètement. Si je veux que vous... Comment on fait ? Il se passe un truc ? Voilà. C'est pas complètement gagné, c'est pas grave. J'ai compris déjà le principal et je sais qu'il y a plein d'autres options. Elle est vraiment géniale, hein, cette perche. Dans les mouvements, ça a l'air quand même pas mal du tout. Voilà le petit aperçu. Et ben, je me tâte parce qu'il faudrait quand même que j'aille à Leclerc pour changer. Il manque pas mal de trucs, donc je vais voir. Si je suis motivée, j'y vais. Je vais demander à Eric s'il veut venir avec moi, sinon, bah. 17h-10. Excellent. Excuse-moi de ne pas être. Bon, allez, ouvre ! C'est vrai. Ah merde ! Il y a un qui nous rapporte depuis 5 minutes. Ah non ! Tu vas voir les. À ce moment-là, je vais voir les bouquins vite fait, moi. J'ai bientôt fini le mien. Bon, inutile de vous dire qu'on est. Espace culture. Alors. Bon, j'aime bien les polars quand même. J'ai une question des plus importantes. Est-ce que tu crois qu'on va se prendre des glaces ? Ouais, sûrement. Ouais, cool. On a dit septembre, on arrête. Ils me disent, mais je croyais que t'arrêtais. C'est et maintenant tout. Qu'on arrête. Non, on a dit septembre. Ah bah non. Ah, c'est un truc pour bien dormir. Ah oui. Ouais. Il étudie ton sommeil. C'est bien ça. Pour toi, ce serait drôlement bien. Tu m'étonnes. J'ai trouvé des trucs sympas. Écoute, on s'est dit septembre, on fait gaffe, c'est septembre. Ouais, ça sera un peu trop tard. Arrête. Je vous avais pas dit, mais j'avais repris ma perche hein, classique. Fallait que je me familiarise un peu avec l'autre. Je vais ranger les courses sur tous les surgelés là. Je vais tout ranger, t'inquiète, mais explique-moi pourquoi t'as pris ça. Lorsque tu fais de la marche ou de l'activité physique, ouais. L'eau. Quand on va faire nos balades, quoi. Voilà. Le problème de l'eau, c'est que si t'en bois beaucoup. Ouais. Ça coupe les jambes. Donc il faut que tu. Il est préférable de boire. Tu filmes quoi ? Bah, bien sûr. Ouais, tu filmes du fromage pendant que je parle. Bah, non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que je vais pas rester comme ça sur un truc. Je suis en train de dire un truc hyper important. Oui, mais je vais pas rester sur ce produit, bébé. Les gens, ils voient les fois les plus. Vachement intéressant. Oh, mais t'es grave. Donc, je reprends. Je peux quand même. En même temps, stop, je peux ranger les choses. On t'écoute, Eric. L'eau, et j'articule plus. L'eau coupe les jambes lorsqu'on en boit trop. D'accord. Donc il faut boire un minimum, mais s'hydrater. C'est la dernière fois que je. Allez, mais s'hydrater. Avec du chavreau. Oh, tu vois que c'est pas drôle. Eh, regardez ça. Non, mais j'ai compris, mais c'est bien, on le testera dans nos balades. Je ne connais absolument pas. C'est la marque NAV, ça je connais. Vous connaissez ? Soufflé de petits pois saveur crème oignon. Ça se trouve, c'est pas bon du tout. 50% matière grasse en moins. Waouh. Franchement, j'ai hâte de goûter. Ça, par contre, je connais pas. Vu que je voulais mon eau de coco, j'ai trouvé ça. Bon, je sais pas du tout ce que ça vaut. Oui, bon, il y a eu un petit craquage. Je l'ai mis discretos. Ça, c'est pour le midi, des fois, quand j'ai pas le temps. Ça aussi, je sais, c'est pas non plus top. Mes betteraves, j'adore ça. Là, je suis fière de vous montrer mes betteraves. Avec un peu, bah, comme je vous disais, hein, de la feta, des concombres, c'est sympa. Que j'ai pas racheté d'ailleurs, pff, super. Ça, c'est ce qu'il prend le midi, hein. Il aime bien. Et puis, bah, je vous ai tout montré. Ah non, attendez. Je vais vous montrer. Ça, j'ai acheté ce bouquin. J'ai regardé, j'ai lu, hein, forcément derrière. Et bah, ça me tentait pas mal. Ils disent en fait que c'est l'auteur préféré des Français, Aurélie Valogne. J'avoue que je ne connaissais pas. Comme le mien, il est quasiment terminé. J'ai anticipé. Voilà, allez, je vais tout ranger. Ah oui, il y a ça aussi. Moi, je me suis pris de l'eau plate et lui, bah, il n'aime pas l'eau. Il n'aime pas l'eau, mais il faut qu'il en prenne. Donc, il a testé et il a goûté, là. Il m'a fait goûter celui-ci, par exemple. Badois, pamplemousse, c'est immonde. Mais c'est pas bon du tout, du tout. Les autres, je sais pas ce que ça vaut, mais bon. C'est vraiment pas une réussite, celui-ci. Je vais me faire des petites carottes que je viens déjà d'éplucher.
et un poisson pané. C'est pas vraiment un poisson pané, c'est du col, hein, bio apparemment. Et j'en avais déjà mangé un, il est très très bon. Et en dessert, on verra. Il y aura peut-être de la glace. Je vous ai pas montré d'ailleurs. Oui, bah forcément, j'ai pris des surgelés et 3 paquets de glace. Allô, allô. On dirait une assiette pour enfants, vous trouvez pas? Bon, je vais mettre le filet d'huile d'olive, quelques petites aromates. Plus qu'à m'installer devant la petite série. Je vais clôturer ce vlog. Je suis vraiment pas certaine de vloguer demain, peut-être. Mais dans tout cas, je préfère vous dire à très vite. Si c'est pas demain, ce sera après-demain. J'espère quand même que ça vous aura plu, ce petit vlog. Il m'a pas paru bien bien long vu que j'ai commencé tardivement. Je vais un petit peu me spécialiser avec cette nouvelle perche, voir tout ce qu'elle peut faire. Et bah, je vous ferai un énorme bisou et vous dire... Oh, je crois qu'il va falloir que j'aille donner à boire à Jackie. Je sais pas si vous le voyez d'ici, mais il est où? Si vous le voyez. Ah, bébé ça. Et je ne sais plus, mais je vais vous faire un gros bisou et vous remercier de me regarder, d'être toujours autant fidèle, même l'été, parce qu'on sait très bien que les audiences chutent et j'ai pas l'impression que mes audiences chutent tant que ça. Donc c'est très très bien. Je vous embrasse. Salut.